Bienvenue à Outsider Reviews, mon nom est Patrick. Salut, je suis Brian. Et aujourd'hui, on va regarder le 2023 Chevrolet Blazer RS. Mais premièrement, on va parler de l'extérieur et qu'est-ce qu'il y a dans le moteur. Maintenant, c'est un 3.6 litres V6 avec une transmission variable, 4 roues motrices, 308 chevaux, 270... livres par pied de torque, excusez, ce qui donne une autonomie d'essence de 12,6 litres par 100 km en ville, 9,2 sur l'autoroute et 11 litres par 100 km combiné. Quand on regarde le Chevrolet Blazer, puis on regarde les chiffres d'économie d'essence, peut-être qu'on se dit, waouh, ok, c'est pas si gros que ça, mais si vous regardez le véhicule, vous allez tout comprendre. Le devant du véhicule ressemble à une Camaro qui a été montée un peu plus haut pour avoir pour paraître comme un VUS. Toutes les lumières sont LED. DEL, excusez, LED en anglais. DEL. Et on a une couleur frappante de rouge, Radiant Red en anglais, avec les deux tons où est-ce que le toit est en noir et le restant du véhicule est rouge. Ça donne vraiment une allure agressive comme VUS. Et ça, on peut le ressentir quand on conduit le véhicule également. Quand vous allez conduire le véhicule, le 3.6 litres V6, quand on pèse sa pédale, il engage et ça nous donne une très bonne accélération. Comparé à d'autres VUS qui peut-être vise plus l'économie d'essence, le Blazer vise plus une performance pour des conducteurs comme nous-mêmes, qu'on adore conduire des véhicules par un VUS très performant, puis aussi qui a quand même assez de capacité. Quand on regarde l'intérieur, Brian, c'est quoi que ça nous donne? En parlant du look de l'image de cette véhicule, ça continue à l'intérieur. Moi, j'ai rentré là-dedans puis je trouve que ça pop immédiatement. Là, on a, y a beaucoup de cuir. Les bancs sont faits de cuir, de vrai cuir, du cuir perforé pour aider avec le système de climat. Là, les bancs chauffent ou ça va ventiler. Oui. On regarde ici là, le volant chauffant, c'est en cuir avec une finissant de rouge en tissu. Il y a des plastiques aussi sur la porte. Mais honnêtement, ça pop. Oui, en effet, l'intérieur, on a des ventes où est-ce qu'on fait tourner les ventes comme telles qui ont des accents rouge dessus. Et vraiment, le rouge frappe vraiment quand on rentre dans l'intérieur. On a le gris avec des coutures rouges et les ventes qui sont rouges. Ça frappe vraiment quand on rentre, puis ça nous donne une allure vraiment sportive. Et on a un écran de 10.2 pouces. C'est 100% tactile. Ça marche, c'est vraiment de haute qualité, c'est tout HD. Quand ça marche avec le système de caméra qui est inclus avec ce modèle, c'est un extra. On a une vision quasiment 360 du véhicule. On a des caméras en avant, à côté, puis un coupe en arrière. Mais ouais, c'est ça, ça vous offre un système de caméra 360 degrés. Et ça a la connexion Android et Apple sans fil, ce qui... Moi, j'étais un grand partisan de. Je déteste connecter mon cellulaire maintenant. Mm. Et aussi, on a la place pour recharger notre cellulaire sans fil. Ouais. Côté confort à l'intérieur, j'ai beaucoup d'espace comme conducteur. Moi, je suis 5 pieds 11. Ça me donne beaucoup d'espace pour la tête puis les cheveux. Ouais. En fait, en arrière, on a beaucoup d'espace. On a 39 pouces pour nos jambes, ce qui est quand même vraiment bon. Et pour côté la place de cargo dans la valise en arrière, on en regarde à 64 pieds carrés. Ce qui est vraiment... on peut rentrer facilement à deux sacs d'hockey. Ou c'est vraiment un bon véhicule pour la famille.
moi, j'ai deux chiens. On rentre les deux chiens dans l'arrière. L'enfant à l'arrière dans un siège d'enfant. Et après ça, tu sais, en avant, c'est sûr qu'on a beaucoup d'espace pour nous, mais les gens en arrière aussi ont beaucoup d'espace. Ouais. J'adore le miroir. Où est-ce que un miroir arrière, où est-ce qu'on a un écran pour la caméra arrière? Je trouve que ça donne une vue qu'il faut s'adapter au début quand on l'a, mais une fois qu'on est habitué, c'est vraiment clair. Puis, Ça m'a pas pris long, j'ai trouvé au début, c'était un peu juste différent en amont, mais tu sais, on a une option, là, ça peut changer entre un miroir normal puis le caméra. Ouais. Après, honnêtement, 10-15 minutes, j'ai juste roulé avec le caméra ouverte, puis moi, je l'aime beaucoup. Oui. Puis, comme vous a dit, on l'a conduit pendant une semaine, le véhicule. On a fait du parcours pas mal tout. On a conduit en ville, on a conduit sur l'autoroute, on a conduit en campagne. On a même conduit dans des chemins de gravier. Et vraiment, moi, la conduite, c'est numéro un pour ce véhicule-là. Je l'ai adoré. J'adore l'accélération du véhicule. J'adore la portée quand on tourne. Et moi, c'était mon impression du véhicule. C'est pour les conducteurs qui aiment conduire les véhicules. Ça, c'est un très bon VUS. So, en général, oui, je suis d'accord. Seul commentaire que je rajouterais, c'est ce modèle, ça vient avec des jantes de 21 pouces en alliage. Puis c'est certain, avec des gros jantes de même, là, c'est chaque petit boss, des trous de quoi que ce soit, là, on va les sentir. So, ouais. Mais c'était quelque chose, une option là, qui est additionnel. So, si jamais c'est pas obligé d'aller avec les 21 pouces. C'est oui, ça, ils paraissent c'est ça. Bien, mais oui, ils vont affecter le confort de en dedans du véhicule et ça va aussi affecter votre économie d'essence. Ouais. On s'entend que les pneus 20 pouces, 21 pouces comparé à 18 pouces, ça l'affecte votre économie d'essence. Et on est rendu là, on va parler d'économie d'essence. OK. Donc, c'est quoi qu'on a eu pendant le temps qu'on a eu? Je sais que, comme qu'on vient mentionner, combiné, ça devrait donner alentour de 11 litres par 100 km. Puis nous autres, on a vraiment eu en 11,2 litres par 100 km. Et ça, c'est en gardant en tête qu'on n'a pas conduit le véhicule de manière économique. On l'a conduit comme nous, on aime conduire. Puis en faisant des tests d'accélération, aussi en étant stationné comme on est en ce moment, oui. Avec le véhicule qui marche encore, puis pour l'acclimatiser. Ouais. So, ouais. Une autre option, une autre caractéristique de ce véhicule, c'est le moteur, c'est un V6, ouais. Mais ça peut tomber à V4. Automatiquement, selon votre conduite. Moi, j'ai remarqué que même sur l'autoroute, je roulais, je pense, pas loin de 95. À l'autoroute, j'ai trouvé un zone plat, puis j'étais plus comme un mode cruise. Puis ça tombait à V4 pour sauver un peu d'essence. Même à haute vitesse, ça va marcher, puis ça va te sauver un couple de dollars aux pompes, ouais. Au final. Ça, c'est la transmission 9 vitesses. Transmission variable qui va automatiquement déclencher deux cylindres pour conserver de l'essence. Oui. Donc, pour un VUS de ce grosseur-là, 11,2 litres par 100 km, c'est ça qu'on a eu côté économie d'essence. Maintenant, il faut parler aussi de l'espace et de l'intérieur dans le fait que c'est pas un véhicule qui est petit, ça porte gros, c'est un VUS, c'est pas un VUS à trois rangées. Par contre, on a amplement d'espace, comme je l'ai mentionné, mais il y a une couple de choses à l'intérieur qui nous ont frappé immédiatement. Et ça, pour moi, c'est que quand j'ai ma bouteille sportive que j'amène dans tous les véhicules, c'est une bouteille d'eau. Puis elle rentre dans la majorité des véhicules. Par contre, ici, je pouvais pas le mettre dans le cup holder. Excusez mon anglicisme, mais je pouvais pas le mettre là, puis il rentre pas. Donc, côté espace et
avoir d'espace pour mettre nos choses qu'on traîne tous les jours. Oui, les rangements. Il y a un espace pour mon cellulaire, mais dans la porte, les petits bancs ici sont pas très larges. Sa bouteille ne rentrait pas tellement aussi. Il y a deux espaces pour des bouteilles en chaque porte. Mais en général, je dirais, si je sortais pour la journée, je pense que je manquerais un peu d'espace pour mettre mes clés, ma portefeuille, ici, pis ça, pis ça, pis ça. Puis c'est une petite affaire, mais c'est quelque chose que moi j'ai remarqué. Je pense qu'à long terme, ça commencerait à me gosser un petit peu. Maintenant, on va parler du prix. Combien coûte le Chevrolet Blazer RS? Le modèle de base, Blazer, ça commence à peu près 40 000 canadiens. Ce modèle ici qu'on a, avec tous les extras, on est juste en dessous de 59 000 $. Mais on parle de à peu près 6 000 $ d'extra, si on parle dont les deux couleurs de peinture. C'est des bancs chauffants en arrière. Les jantes. Les jantes de 21 pouces. Il y a certaines, caractéristiques de sécurité qui sont additionnelles. Ça. So, sans les extras, on parle de la prix de base du RS, c'est 50 000 canadiens. Ouais. So, donc, quand on regarde ça, on peut aller à 40 000 jusqu'à presque 60 000. Il y a une grosse espace de 20 000, mais ça, c'est vous qui choisissez les options. C'est vous qui choisissez ce que vous aimez dans votre véhicule. Nos pour et contre, nos points positifs et nos points négatifs. Moi, côté positif, ben c'est le look du véhicule. Absolument. Il paraît très bien. Et ça, ben il paraît très bien et ça frappe l'attention. Et quand on conduit un Blazer, c'est sûr que si je compare à d'autres véhicules, c'est pas tous les véhicules qui vont attirer l'attention comme ça. Et la portée, la tenue, l'accélération, la tenue d'un courbe, ça, ce sont mes pros. Un des négatifs, moi, je dis, ce modèle ici, ça vient avec les jantes de 21 pouces. Côté confort, je l'ai senti un peu plus que, je dirais, des petites jantes, comme on a déjà parlé. Puis, honnêtement, je peux pas laisser aller l'affaire des cup holders. Moi, je la trouve bizarre. C'est juste bizarre, but anyway. So, amis, des petits détails. En général, j'aime le véhicule, grosso modo. Oui, et moi aussi. Moi aussi, j'ai vraiment aimé le véhicule. Ce qui nous arrive à la fin de notre vidéo. Maintenant, merci d'avoir regardé la vidéo, notre essai et évaluation du 2023 Chevrolet Blazer RS. Maintenant, si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, pèsez like sur le bouton YouTube et aussi vous abonner, comme ça, quand on va voir d'autres revues ou peut-être des vidéos pour vous aider comment acheter votre véhicule. Et négocier les négociations, vous allez être avisé de quand les vidéos vont sortir. Puis, si jamais vous avez fait des essais avec ce modèle ou un véhicule comparable, laissez-nous un commentaire puis dites-nous qu'est-ce que vous pensez de ce modèle ou si vous avez d'autres modèles en tête que vous pensez sont meilleurs, dites-nous dans les commentaires. Oui. Et jusqu'à la prochaine vidéo, on vous remercie et à la prochaine. À la prochaine.